Aujourd'hui, je me trouve juste à côté du lac de la Tuile, au cœur du parc naturel régional du massif des Bauges. Ce massif se trouve lui-même entre deux grands lacs, celui d'Annecy et celui du Bourget. Il regorge de particularités qui attirent des formes de tourisme très variées. La nature et l'homme doivent cohabiter. Alors, qui régit cet environnement? Comment limiter notre impact sur la faune et sur la flore? Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus particulièrement aux relations entre l'homme et les oiseaux. Dans le cadre de sa charte, le parc naturel régional du Massif des Bauges a réuni des représentants du vol libre et de la Ligue de protection des oiseaux. Ensemble, ils ont élaboré des outils et une organisation du territoire afin de favoriser la cohabitation entre l'homme et l'oiseau. Je vous propose d'aller à la rencontre de Guillaume Richelot, membre du parc naturel régional du Massif des Bauges et pilote de ce projet.